Je suis Olivia Gaultier-Jeanroy, je suis la commissaire de l'exposition Thomas Sausego. Donc effectivement, on retrace à travers l'exposition Almost Human les différentes phases de l'évolution artistique de l'artiste. On commence avec les débuts de l'artiste dès les années 90, qui après avoir découvert la performance, dont il reste très peu de traces, rentre dans des écoles assez classiques à Londres, puis à Amsterdam. Et ensuite il va s'installer à Bruxelles. À ce moment-là, il travaille déjà le plâtre, donc des matériaux relativement, à ce moment-là encore une fois, classiques, mais qu'il traduit avec des influences personnelles qui puisent dans son enfance, c'est-à-dire dans la télévision, dans les comics, dans des choses très colorées. Et il montre toujours un peu la façon dont il travaille. Donc on voit la main de l'artiste et il travaille à ce moment-là avec des bandes de plâtre, avec un peu d'argile. On voit tout de suite la modélisation et la trace de sa main. Une fois arrivé à Bruxelles, ça ne se passe pas très bien et il décide de tout quitter après quelques années pour partir avec sa femme, et qui était à ce moment-là enceinte, pour partir à Los Angeles. Et il faut bien qu'il subvienne à ses besoins. Donc il va devenir ouvrier en bâtiment. Et il travaillera le soir, il va réussir à convaincre un des promoteurs de lui laisser un espace pour travailler le soir sur ses œuvres. Il embarque avec lui certains de ses collègues maçons qui viennent lui donner un peu d'aide le soir, et au fur et à mesure il commence à se faire connaître, notamment par un des galeristes américains qui s'appelle Kordansky, qui va commencer à lui donner une certaine visibilité. Il va avoir un atelier à Los Angeles où il va embaucher ses anciens collègues maçons. Certains travaillent toujours avec lui à l'heure actuelle. Et de là, il va commencer à être de plus en plus connu. Alors tout l'axe effectivement de la scénographie a été tourné autour du bâtiment du Musée d'Art Moderne. On a essayé de créer une connexion entre le bâtiment lui-même et son architecture, mais également entre l'intérieur et l'extérieur. Donc par exemple, on a pensé certaines œuvres par rapport à la présence de la Tour Eiffel qu'on voit dans deux des salles. Beaucoup de sculptures sont tournées vers la Tour Eiffel. La monochromie de l'homme pressé et sa structure, le corps de sa sculpture qui est fait en fer à béton répond à la structure métallique de la Tour Eiffel. On a également pensé les dessins par rapport aux bas-reliefs de Janio, qui sont un peu une des marques du bâtiment, qui sont à l'extérieur. Et pour encore plus renforcer cette passerelle intérieur-extérieur, on a également mis une œuvre en bronze dans le bassin de l'esplanade qui est devant le musée. Il a décidé pour l'exposition de revenir un peu à ses débuts et de revenir à la performance, et surtout de montrer un peu la face cachée de la vie du sculpteur, de montrer comment ça fonctionne, en quoi physiquement c'est très prenant. Il a volontairement pris un peu de poids avant de faire l'œuvre, parce qu'il en a perdu de manière assez considérable au fur et à mesure de la réalisation de cette performance. Mais les sculpteurs sont en général très musclé, puisque les modes d'argile avec lesquels il travaille sont excessivement lourdes. Il a voulu montrer sa face cachée et surtout la façon dont il vit son métier de sculpteur et son métier d'artiste, puisque donc il a retranscrit à travers cette performance dans l'argile son atelier d'artiste de Los Angeles, les différentes zones qu'il constitue, parce qu'il est fait de plusieurs bâtiments à Los Angeles, et la façon dont il vit, c'est-à-dire avec tous ces gens autour de lui,
qui ont été amenés à jouer avec lui. Alors certains jouent de la musique, certains jouent des pièces de théâtre, d'autres sont immergés de manière un peu plus sombre, ils se sont fait enterrer, lui s'est fait enterrer deux fois dans la glaise. Donc on est dans à la fois quelque chose de très introspectif, ça se voit par moments sur son visage, et une partie très, très légère et participative qui l'a beaucoup amusé, où il passe aussi l'autre moitié de la vidéo à rire avec ses proches, et c'est vraiment à l'image de l'artiste.